Les amis, l'heure est grave. L'heure est grave car je viens d'apprendre par téléphone que mon ami, mon très cher ami, s'est fait tuer par l'armée de Sauron. Et je vous jure, quel malheur. Et il se trouve que nous avons la possibilité de le venger. Il faut aller tuer l'Atpak, amour des avortons, pour Fumasu Saba. Ce qu'on va faire immédiatement. On peut pas laisser ça. On peut pas laisser ce tueur impuni. Non, non. Ça serait pas notre genre, vous le savez. Donc, on va aller se diriger vers la mission, tranquillement. Et on va venger notre ami. Un kilomètre à pied, ça use. Une petite pause, les amis. Ah, ça y est, le chat est affiché sur mon portable. Donc, nous disions, on va venger notre ami. La mission se trouve par là. Il y a beaucoup d'archers. Commençons par éliminer ces archers. C'est quoi tout ce qu'on raconte sur notre départ, Doudou? La. Notre ami Fumasu Sama s'est donc fait lâchement tuer par un chef de... Pas par un chef de guerre, mais par un méchant orc. Donc on va le trouver et on va le tuer. Et si entre temps on voit le capitaine qui va tuer... Oh, il est là! Ah non, c'est pas le capitaine qui m'a tué, mais il va quand même mourir. On va nettoyer un peu la zone. Qu'est-ce qu'il fait? Donc, ce capitaine, qu'a-t-il comme spécialité? Apprendre la prochaine visite du capitaine noir. Vulnérable au coup fin. Oh, on va le défoncer, les amis. On va le défoncer en deux dessus. Hein. Thank you.
Et faiblis, rôdeur. Toi, Uruk tire homme, tu es dans ombre. Uruk, tu es homme dans ombre. Salut, Zafens. Allez. Et un capitaine. Donc je disais, il est inadmissible que. Oula. Alors lui, il faut pas que je rate. Voilà. Oui, j'ai compris que c'est toi, Zafens. J'ai compris. Donc on va aller te venger. On va aller te venger, on a la mission qui est juste ici. J'ai compris que c'était toi, t'en fais pas. On se dirige vers le départ de la quête pour aller te venger. Car oui, notre ami Zafens, actuellement sur le chat avec nous, nous explique. Il s'est fait violer par un chef de guerre, le pauvre. Vous imaginez? Donc on va aller le venger. Avant je déplaye un peu la zone, voilà. Voilà, vengeance. On s'y dirige. Donc. Vendetta. Venger la mort de Fumasu-sama a tué l'Atpak, amour des avortons. Ouh, il est caisse. Il est caisse. En plus, j'ai évidemment aucune info sur lui. Il m'a surpris par derrière comme un lâche. Ah bah oui, j'imagine. Ça marche toujours comme ça avec les capitaines. Oui, ce con. Bon, déjà, on le voit pas. Va falloir se rapprocher. Oui, en plus, il a un nom de merde, celui qui t'a tué, effectivement. Hop, toi. Alors, où il est? Oui, là, c'est l'avorton, là. Zadbak, amour des avortons. Béraou. Non, ne me fais pas peur, ne me fais pas peur. Pour avoir besoin d'empoisonner ses ennemis, il suffit d'apprendre à manier l'épée. Et il est où, ce con? La zone est grande, pourtant. Petit. On va aller te venger, mais déjà faudrait. Oh, est-ce que c'est lui? Oh, on l'a trouvé. On l'a trouvé, la bague. Oh, il a peur des ghouls, il a peur de brûler, et il est pas si mauvais que ça. Il est sensible à la furtivité, tueur de monstres. Il faut y aller au corps à corps avec lui. Il faut y aller au corps à corps. Bon, ça va, tu t'es pas fait tuer non plus par un petit jeune. Venger la mort de Fumasu-sama. On va le venger. Alors comment faire? Il est entouré de ses partisans. Regarde-le.
Bon, il est insensible à la furtivité. Salut! Moi, c'est Tavernier, enchanté. Tu aimes voir les orques s'affronter entre eux, pas vrai? Rejoins-nous! Ah non, 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 t'as une sale tête, toi, voilà! T'as vraiment une sale tête. Fallait pas tuer mon copain, d'abord. Mais c'est qu'il veut pas mourir, hein. Tu n'as rien gagné, rôdeur. Le seigneur des ténèbres te punira. Il punira tous les hommes. Oui, bien sûr. Voilà. Ça, c'est pour mon copain, d'abord. Dans la bidoche. Bon, par contre, là, faut que je les élimine tous rapidement. Moi j'y vois que dalle. Et voilà, sommation, tu as été vengé. Bon, maintenant le truc c'est qu'il va falloir se barrer. Et là c'est pas évident. Dans les plantes. Tiens. Les fertilisants. Voilà. Voilà, maintenant tu peux te coucher en paix, Fuma. Fuma sauve. Tu peux te coucher en paix. Moi je vais aller retenter le. On va aller retenter le chef de guerre qui nous a défoncé. Bon, il nous a défoncé de beaucoup, ouais. Mais on va retenter. On va retenter. C'est glissé. Sur quoi je joue sur manette. Hein. Je joue sur manette que j'ai branché à mon ordinateur. On est reparti. Je joue pourquoi je joue sur manette. Ah mais il est là en tout cas. Touka. Ouais, je préfère sur manette pour ce jeu. Salut Touka. Oh merde. Un simple soldat. Moi, je suis une tempête et je vais te fracasser. Oui, il a une sale gueule. Mais là, tu sais que tu es tout seul, Touka. Et je connais ton point faible. C'est ça ton point faible. C'est fou, des patates comme ça qui t'a fait bouillir. L'autre qui va déclencher l'alerte, non. Je l'ai raté, le con. Alors, en tout cas, il est très difficile, sachant qu'il est insensible à tout à peu près. Il est sensible à la furtivité et au corps à corps, mais pas à ça. Et il est sensible aussi aux attaques à distance. Allez, on est à la moitié, là.
Il y a pas grand monde, alors il faut en profiter. Allez, on va l'avoir. On va l'avoir, les amis. Qui faisait son moyen, là, en tout cas. C'est fini. Ouf, on l'a eu. Allez. Pouh. Touka, pas Touka. Eh ben. Et le dernier chef de guerre est mort. Bien joué, les amis. C'est que lui nous aura pas mal embêté quand même. Hein. Ouais, il fait son BG. Il faisait son BG. Maintenant, il n'est plus que mort. Ça a été de tout cas. Oh, on a dévoré un plus au nouveau palier. Réduit le seuil du compte. Oh, ça c'est bien ça. Compétence permettant d'encaisser un coup sans que le compteur de coups ne reparte zéro. Ouais, bien ça. Flèche enflammée. Oh, là, on apprend plein de nouveaux coups, là, les amis. Là, on a plein de... Touka pas content. Ah oui, Touka était pas content. On va prendre ça, maître des lames. Ah, mais Touka, c'était un sacré adversaire. Hein. Insensible à l'attaque à distance, insensible au corps à corps, et insensible... Insensible à quoi? Et insensible à la furtivité. Alors, comment le tuer? Comment le tuer? Eh ben, comme je viens de le faire. J'aurais pu essayer peut-être de lui balancer des dagues comme ça. J'aurais pu essayer d'y balancer des dagues, mais je suis pas trop dague. Hein. Bon, ben, du coup, les amis, on va continuer la mission principale maintenant qu'on a réussi à tuer ce Touka. Du coup, il n'y a plus de chef de guerre à part celui que j'ai mis en place. On n'a plus un seul chef de guerre. Oh, qu'est-ce qui s'est affiché? Oh, c'est rigolo. Oh, belle tête. Oui, tu dis donc, Zafens, que ça fait pas effet les dagues. Oui, parce que c'est l'attaque à distance. Ça. Ah oui, Zafens, là, si tu continues à regarder, je vais te spoiler. Il vaut mieux que. Venger la mort de Han Solo. on va venger la mort de Han Solo. Ah non, on va faire ça. On va faire les révoltés, les exilés encore. Voilà. Comme ça, tu peux rester encore un petit peu avec nous, Zafens. Je te spoil pas. Et une petite mission. On va faire la mission des exilés, puis on va venger Han Solo. Il manque plus que Chewbacca et on les a tous. On va y voir. Qu'est-ce qui nous attend? Les révoltés. Le chef m'a dit qu'on devait. Ah, il faut que je fasse fuir de terreur des Uruks. Alors ça j'ai l'habitude. Ça j'ai l'habitude. Je vais te montrer comment je fais pour faire fuir des gens. Comme ça. Toi. Et voilà. Et de 6, plus que 4 à faire fuir. Et toi, t'es libre. D'autres ont besoin de vous. Trouvez-les, je vous en prie.
Je sais pas pourquoi, on dirait que je fais peur. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Pourtant, j'y vais. J'y vais en toute amitié. Plus que deux à faire fuir comme ça. Je crois avoir entendu quelque chose. Vous êtes bouchés, les esclaves. Vous n'écoutez que vos fils. Voilà. Ah, il y a le réveil qui sonne. Il est où? Chut. Vous savez ce que ça veut dire si le réveil sonne? Eh oui, va falloir s'arrêter là. Bon, on finit la mission. Vous êtes vraiment venus nous sauver tous. On venge Han Solo et on s'arrêtera là. Parce que j'ai commencé la vidéo un peu plus tard, donc il doit me rester encore un quart d'heure, 20 minutes par là. Oui, je suis peut-être trop tactile, comme tu dis, à Fens avec eux. Pourtant, je sais pas. Mais... Je suis très gentil avec eux. Oh oh, là par contre il y en a beaucoup. Faut agir maintenant. Allez. Je n'ai pas besoin de l'arme pour te tuer. Les armes. Et les esclaves qui se vengent. C'est une rébellion. Bonjour. Ils ne nous auront pas tous. Et boum. Si c'est pas beau, tous les esclaves qui se rebellent. Non. Voilà, une bonne chose de faite. Maintenant, il ne reste plus qu'à libérer tous les esclaves. On est libre. Dieu merci, vous êtes là. Aidez-moi. Merci. Et le dernier. Putain, les meutes. T'as vu cette émeute qui a eu. Mais ça, tu vois, c'est une conséquence de mes actes. En fait, à force de... Concentration maximale. À force de libérer des esclaves, ils sont plus confiants. Et du coup... ils aiment bien se rebeller. Allez, faisons la vendetta et on s'arrête là. Ah, je sais pas ce que t'en penses par contre, Zanfence. Mais j'adore le fait que ce rôdeur puisse grimper absolument pratiquement partout. C'est rare de voir des endroits, des murs qui ne peuvent pas grimper. Et du auditori, il peut en prendre la graine sur lui. Un kilomètre à pied, salut, un kilomètre à pied, salut, je les souviens. Oh, il y a un archer. Le silence du roi que le vent et
C'est trop tard. On est mort. Eh. Bonne nuit. Oui, il tape de ses jumps, de ses jumps. En pleine la cuisse. Oui, c'est un bon petit défouloir ce jeu. On y fait vraiment tout ce qu'on veut avec les orques. En plus, vous allez voir, regardez, lui, je vais bien passer en évidence, il va bien ne pas me voir par contre. Ils sont un peu aveugles, les orques. Allez, on va venger Noruk l'écœurant. On va le venger. D'ailleurs, Zaven, tu me diras si le fait que je l'ai tué dans ta partie. Tu me diras si le fait que j'ai tué. T'as venu à moins de 5 minutes. Scout. Ah, ça, c'est un capitaine que je connaissais pas, mais c'est pas celui qui nous intéresse. Hein. Le fait que je l'ai tué dans ma partie, est-ce que ça l'aura tué dans la tienne hein? Tous les viewers attendent impatiemment ta réponse. Hein. Noruk. Il est là-bas, Noruk. Allez. On a 4 minutes 30 pour terminer cette mission. D'ailleurs, peur des Karagor, indice des dégâts par explosion. Ah, c'est dommage, j'ai pas des flèches explosives. Hein. Mais s'il est proche d'un feu, il va ramasser. Dégâts par coup fini au combat, peur des grocs et des gules. Tu m'étonnes qu'il a peur des grocs. Moi aussi j'en ai peur, ces gros trucs énormes qui veulent vous tomber dessus et vous tuer. Ah, allumez le feu. Merci la fin de nous tenir au courant. Oh, oh, on a eu une rune épique. Hein. Les amis, voyons voir. À l'épée. Augmente le délai de réutilisation du compteur de coups de 10 secondes. Ah, c'est bien ça. On va le mettre à la place de quoi? Choc derrière à la place de ça. Quoi des chats. Double face, oui. C'était double face alors que combien de voir. Bon, il a quand même pas fait long feu celui-là. Il aura pas fait long feu du tout. Et il n'avait pas un deuxième pas loin. Il y en avait un deuxième si je ne m'abuse. Tu vas mourir. C'était pas lui. Merci mille fois, l'étranger. Il était où ce fou? Ah, il était. Scout. Le cannibale là. Allez. On va se le faire. Hein. Et après lui, on arrête. Hein. Parce qu'il faut quand même qu'on arrête. Hein, hein. Sinon ça va faire des vidéos 3 heures et YouTube va pas être content. Eh monsieur le dernier, hein. Vous avez dit de pas faire des. Vendetta. Encore une vendetta pour qui? Bon, j'ai un mort de fou, Masu-sama. Ah non. Alors là, on s'en fout. On s'en tamponne les babouches. Mais. Fumasu. Mais tu fais que mourir, c'est pas possible. Allez, on va re-ranger ta mort. C'est pas possible. Tu fais que mourir. Hein. On peut vraiment pas te faire confiance.
C'est peut-être celui que tu me parlais avec le gros marteau, tu vois. Tu as de la chance, petit capitaine. On se retrouvera. Hop là. Ah oui, tu passes pour un noob. Je sais que depuis tout à l'heure, on fait que tuer les capitaines qui t'ont tué. On va voir c'est qui t'a tué. Hein. Zumuk de la fosse. C'est toujours pas lui. Ça veut dire qu'il y en a un troisième qui t'a tué quand même. Oh, mais je comprends pourquoi il t'a tué. Et trois fois en plus, il t'a tué. On voit le nombre de meurtres. Récompense 10, nombre de meurtres 3. Il a pas arrêté de te tuer. Et ouais. Ça veut dire, en plus, c'est même pas celui dont tu m'as parlé. Ça veut dire que... En plus, il vous tue en moins de 5 minutes. Hein. Ah, il y en a un autre. Il y en a un autre. Oh, il est costaud, le capitaine, que tu nous as... Ça y est, Mérite. Il est... Ouais, donc il est costaud celui qui t'a tué là. Et malheureusement, on l'a pas en ligne de on l'a pas en ligne de mire. Hein. Où est-ce qu'il est ton petit gars là? Zumuk de la fosse. Il est où? Tu passes vraiment pour un noob, Fumasu, près de tous les buveurs. Hein. Ah oui. Est-ce que c'était celui-là? Non, c'était pas celui-là. Voyons voir. En plus, il faut bien esquiver tous les capitaines. Ah, on l'a trouvé. Peur de brûler, peur des carottes. Ah non, mais tu te fous de moi. tu te fous de moi, Zafens. Il est costaud. Il est costaud, mais pas insensible aux attaques à distance. On a notre cible. Se mettre un bon point. Voilà. Une flèche dans ta tête. Une deuxième flèche dans ta tête. Une troisième flèche dans ta tête. Une quatrième flèche dans ta tête. Une cinquième flèche dans ta tête. Une sixième flèche dans ta tête. Une huitième flèche dans ta tête. Hop là. Quelque chose vient de bouger, pas toi. Tu as déjà tué tellement d'Uruk. Tellement de morts, tellement de... D'accord, il a du poison. Ça sert à rien. Oh oui, c'est à mettre au combat, effectivement. Donc il est très résistant. Je comprends pourquoi il t'a tué. Il m'a empoisonné le con. Oh là là. Ça pue les amis. Il faut qu'on arrive à récupérer les flèches. Il faut le baisser à distance. Ça y est, on le tient. Wow. Tu m'étonnes qu'il t'embêtait. Putain, il m'a re-empoisonné le con. Waouh. On va le tuer, il faut qu'on arrive à le tuer.
coup, bah, avant que lui ne nous tue. Allez. C'est bon, Fumasu, tu es vengé. Flûte, il a dit. Et voilà, tu es vengé. Et sur ce, les amis, c'est après avoir vengé vaillamment notre ami... On va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour ce soir. Nous avons d'autres choses à fouetter. Et puis sinon, ça va faire, comme je vous dis, des vidéos de 3 heures. Donc sur ce, les amis, nous sommes quel jour ? À ciao et bon lundi soir !